russe tente de contourner les sanctions internationales en utilisant la crypto-monnaie. Depuis que l'Union européenne, les États-Unis, le Canada ont décidé de bannir 70% des banques russes du principal réseau de transactions bancaires mondiales, SWIFT, et de geler les avoirs russes, eh bien, Anne Lordanier, certains se tournent vers ce marché monétaire virtuel. Oui, depuis le début du conflit, les achats de Bitcoin en rouble russe ont explosé. Bitcoin, Ether et Tether, qui a l'avantage d'être indexé sur le dollar, sont particulièrement prisés en ce moment. Le magazine suisse Bilan rapporte qu'une grosse fortune russe à Genève a demandé à son chargé d'affaires de transférer rapidement une partie de ses actifs en crypto-monnaie. Un crypto-investisseur russe basé lui aussi à Genève a également été contacté par des particuliers russes pour convertir des fonds en crypto. 12% de la population les utilise en Russie. L'intérêt de ces monnaies virtuelles, c'est qu'elles s'échangent sur le net, sans passer par les banques. Elles échappent donc aux sanctions. Mais ça ne va peut-être pas durer. L'administration américaine vient de demander aux plateformes qui gèrent les crypto-monnaies de l'aider à contrôler les comptes russes. Et la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, pousse pour accélérer le projet européen MiCA, chargé de réglementer ces actifs virtuels. La précision d'Anne Lordanier. Bonjour Grégory Raymond. Bonjour. Journaliste pour le magazine Capital, spécialiste des crypto-monnaies. On va voir comment elles s'invitent des deux côtés du conflit. D'abord, est-ce que côté russe, la crypto-monnaie peut servir vraiment de valeur refuge face aux sanctions ? Ben oui, on l'a vu depuis lundi, les gens se jettent plutôt sur le Bitcoin pour se protéger de la dépréciation du rouble. Le rouble, il a perdu jusqu'à 30%. Lundi, dans le même temps, le Bitcoin prenait 15%. Donc déjà, rien que pour en tant que réserve de valeur, le Bitcoin a vraiment du sens. On peut dire aussi qu'il permet de se protéger ou en tout cas de contourner les sanctions internationales. Vous l'avez certainement vu, on a observé des longues files d'attente aux distributeurs de billets dimanche, lundi. Les gens avaient peur que les cartes bancaires cessent de fonctionner, même que le gouvernement impose une limite sur les retraits. Donc les gens, en tout cas qui sont formés aux crypto-monnaies, qui n'ont pas peur de les utiliser, ont tout intérêt à mettre une partie de leur épargne dedans pour prévoir le futur. Et c'est ce que j'allais dire, parce qu'il faut s'y connaître. Là, on parlait des particuliers, mais est-ce que le gouvernement russe, lui, peut s'en servir de ça? Est-ce que les institutions peuvent le faire? Alors théoriquement, oui, il pourrait. Ça permettrait à la Russie, par exemple, de contourner le système SWIFT dont il a été débranché. Mais par contre, quand on raisonne un peu rationnellement, on se dit que ça risque d'être un peu compliqué. Poutine, il a eu le temps de se préparer aux sanctions et jamais rien de concret n'a été fait pour utiliser Bitcoin depuis. Moi, je pense que ça pourrait servir quand même comme une alternative, quand même. Si par exemple la crise durait, oui, il pourrait quand même utiliser Bitcoin. Mais ce qu'on peut dire, c'est que sur le long terme, ça se prête pas vraiment à un État pour faire des grosses transactions dessus, parce que toutes les transactions qui sont réalisées en Bitcoin, elles sont sur la blockchain et tout est transparent. Et un État, je pense, de facto, a besoin de discrétion. Mais là, je vais vous parler d'un autre État, Grégory Raymond. L'État ukrainien qui, lui, reçoit carrément des dons en crypto-monnaie. Oui, il y a à peu près 51 millions de dollars en crypto qui ont été envoyés sur des adresses de réception crypto créées par le gouvernement. C'est 27 millions sur ces adresses-là et 51 millions en tout à travers des initiatives menées par des ONG. Donc on a à la fois des dons à travers des initiatives menées par des ONG et puis un appel lancé par le gouvernement ukrainien lui-même. Oui, c'est bien ça. Et on a appris ce matin qu'ils allaient faire un airdrop sur les gens qui ont donné des cryptos, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer un token, une nouvelle crypto, pour récompenser les donateurs de cette action. Ma question est sans doute naïve, mais c'est assez inédit, non, là, ce qui se passe? Ah oui, c'est complètement incroyable. En fait, c'est la première fois dans l'histoire de Bitcoin qu'il est utilisé dans le cadre d'un conflit. Et moi, ce que je voudrais préciser, c'est que Bitcoin n'est ni pro-ukrainien, ni pro-russe, parce que du côté russe aussi, il y a des initiatives de dons qui ont été lancées. Non, juste, en fait, on s'aperçoit qu'un protocole neutre, décentralisé, en fait, sans État, peut servir à faire bien des choses quand il y a des blocages financiers un peu de partout. Mais est-ce qu'on sait ce qui va être fait avec ces dons-là? Est-ce que les donateurs ont des réponses là-dessus? Alors, ça dépend. Les ONG qui récoltent des cryptos, la plupart flèchent les fonds. Ça va être utilisé pour de l'humanitaire, voire pour acheter des armes. Ils le disent aussi clairement. Par contre, pour le gouvernement, ils ne le disent pas. Ils peuvent faire potentiellement un peu tout avec. Pour moi, ça pose un problème, parce qu'il faut quand même dire aux gens qui mettent leur argent dans cette cause où ça sera utilisé. Et il faut faire, j'imagine, aussi attention aux arnaques.
Bien sûr, il y en a énormément sur les réseaux sociaux. Donc, si certains des auditeurs sont intéressés, surtout faites attention, regardez les comptes officiels. On entend bien votre avertissement. Merci beaucoup, Grégory Raymond. Vous qui êtes journaliste pour le magazine Capital, spécialiste des crypto-monnaies, Grégory Raymond, invité de France Info. Merci pour votre éclairage.